Je vais essayer de trouver quelqu'un. Écoutez, écoutez le monde. Allons-y. Je veux pas avoir. About music. It's deeper than the verse, man. Bonjour et bienvenue en Gironde, Bordeaux, au CEVA Campus, le centre de haute performance de l'Union Bordeaux-Bègle Rugby, un centre de haute technologie. Nous sommes ici pour honorer un club, mais également un joueur, Jefferson Poirot. Passé par Brive, il est en équipe de France. Qu'est-ce qu'ils ont fait l'équipe de... Ah oui, je vous propose de le découvrir. Darling, darling, I'll turn the lights back on now. Watching, watching, as the credits all roll down. And crying, crying, you know we're playing to a full house. House. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage and the thrill. The thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end, for you and me, hold this show, it can't go on. Allez, on poulet. Tu vois, les Fidjiens, eux, ils ont pas besoin de GPS. Ils vont tellement vite qu'ils arrivent pas à capter le signal. Donc là, ce qui reste, c'est les Fidjiens. Mettre un peu de pression, parce que parfois il y a un peu de pression, tu vois, ça bouge, la mêlée. En solidarité avec les gilets jaunes. Eh bien, en solidarité avec les gilets jaunes, et bien voilà, l'UBB, les tirs au flanc de l'UBB se filent en jaune aussi. Quand t'es en jaune, c'est bon signe ou c'est mauvais signe? Là, c'est un mix, mais c'est quand même mauvais signe. Là. Là, si je regarde bien, c'est mauvais signe. C'est opposition. Regarde cette tête de fouine qu'il a. C'est pas possible. C'est un gars, Jeff. Tu vois, c'est quand tu crois en Dieu, tu te mets à genoux comme ça et tu pries. On est dans les vestiaires avec ses voisins et son voisin d'en face. Parle-nous un peu de Jeff. Qualité. Gros mangeur de M&M's. C'est les premières avant les matchs quand même. Ouais, c'est son point fort. C'est vrai que ça, il a un petit péché mignon, c'est quelques gourmandises la veille du match. Il a des passions. Ouais, il a des passions, s'acheter des maisons un peu partout en France. Ah, à Bergerac, à Bordeaux, même au Cap Ferré. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que Jeff Poirot, c'est un petit peu le Monopoly, il a acheté toute la rue de la Paix avec des hôtels? Oui, bah, il a les mêmes appartements que Laurent à côté, quoi. Il a au Grand Théâtre, je crois qu'il a une chambre, des choses comme ça, quoi. Il est plutôt bien. Il est en place. Ouais, voilà, en plus de ses 2-3 voitures, sa moto, enfin... Mec simple, quoi. Mec simple. Par contre, tu me parlais de son implantation capillaire. Ouais, bah, mais ça, c'est vraiment le souci physique qu'il a. Après, il y a pas mal de mecs dans l'équipe, tu vois, les Duquin, les Lesgourgues, les Dubier, tu vois. Tous ces mecs-là, quand même, ils ont de sacrés problèmes capillaires. Blague à part, toi qui es en face de lui à l'entraînement, mais également en équipe de France, c'est un mec bonnard. Tu rencontres toujours des personnes dont tu gardes contact après ta carrière, et je pense que Jeff en fera partie. Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment bien, j'adore les qualités du mec. Voilà, c'est un mec honnête, c'est un mec franc, et pour être en chambre la plupart du temps avec,
avec lui, voilà, c'est quelqu'un de vraiment bonheur. Ouais, moi je suis à côté de lui, ça fait un moment qu'on se connaît depuis les sélections jeunes, qu'on avait 18-19 ans. Et c'est vrai que c'est un super gars, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma carrière et qui compte encore beaucoup aujourd'hui. Toi qui es à côté de lui, et dans le vestiaire et dans la mêlée, comment il est? Ouais, franchement, il y a Baptiste Serin en face, il y a tout qui est rangé, c'est nickel et tout. Darley Dombo, c'est tout rangé, nickel et tout. Moi, c'est pas trop mal. Et lui, mais regardez ce boxon. Je suis déconné, il prend la place de tout le monde. C'est de l'enfer. Il est pareil, il prend la place de tout le monde au niveau des salaires. Donc il a plus de place, c'est normal. C'est proportionnel au salaire ici. Donc, souci, on sent qu'à Bordeaux, il y a un souci avec les salaires. C'est toujours important en première ligne, on a quelque chose que les autres n'ont pas. Ouais, on a toujours des liens qu'on a ensemble. Avec nos gauchers, avec nos droitiers, donc forcément ce qu'on vit au cœur de la mêlée fait qu'on partage plus de choses ensemble que peut-être qu'avec d'autres joueurs. Donc ouais, forcément Jeff, on se connaît bien, on s'apprécie, enfin en tout cas moi je l'apprécie, je ne sais pas s'il m'apprécie, mais moi je l'apprécie. Et non, c'est vraiment un beau mec et un grand joueur surtout. Une qualité, un défaut, stop. Qualité, je vais dire, c'est dur parce qu'il en a plein. Son engagement et la volonté qu'il met chaque fois qu'il est sur le terrain. Et son défaut, son manque de sérénité de temps en temps. Jeff, il doute ? Non, pas dans ce sens-là. Il s'énerve vite. Ah, d'accord. Il s'énerve vite. Il peut vite monter dans les tours et ça peut lui jouer des tours, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'ici à Bordeaux, ils ont peut-être un centre high-tech, haute technologie, haute performance. Mais en tout cas, ils ont su garder les valeurs du rugby, puisqu'on a la formation qui est là à deux pas des pros, qui s'entraînent à la muscu derrière la vitre. Et puis ici, qui sait, peut-être, il y a le petit futur Jeff Poirot. Je vois Baptiste Serin là. Ah non, c'est pas lui.